Thank you. In my name and that of my esteemed colleagues, for this opportunity to share our vision about global health. Thank you, Alain Mérieux, Benoît Miribel, for making this session possible. I'd like to focus on 4 points. What is global health? Why does it make sense in a country like Haiti? How our global health program started, and how it was developed. What is global health? It relies on 3 pillars of development, obviously healthcare, education, economic opportunities. Hence, it is a health package plus other interventions. Why does it make sense? We know, for instance, that women who are better educated make better decisions for themselves and for their children. Women who are more educated tend to deliver in hospital settings. They tend to provide immunization to their children compared to those who do not have that level of education. Now, why does global health make sense in a country like Haiti? Let me give you 2 statistical data. First, there is a UN study from the year 2000 to 2015 looking at all natural disasters throughout the world. They've identified over 7,000 natural disasters resulting in 1.35 million deaths. 90% of those deaths were in developing countries, and 1/6 of all those deaths were, guess where? In Haiti, a country of only 10 million. So you see, I spare you the issues about political problems, just showing you the fragility of the country in terms of environment. It is one among 6 most vulnerable countries in terms of environment. The second piece of data, 83% of our college graduates are outside the country. They say when 40% are outside the country, you're in big trouble. We have 83%. So it is in this context that global health has the greatest impact. How did our global health program started? I returned in Haiti in 1979 as an instructor in medicine at Cornell University to determine the causes of infantile diarrhea. As it turned out, 40% of them were dying. There was a study done by Dr. Jasmin, that's how he made his thesis, on 40% mortality over 10 years. So I struggled at the time, there was no internet. I went back to the Cornell Library and found that they were studying some form of oral rehydration in Bangladesh for cholera. I came back with that formula, adapted it, used it in those kids, and the mortality dropped to less than 1%. Within 2 years, we developed a national program that is credited with a 2/3 decrease in national infantile mortality. Now, I'm an internist and infectious disease by training, and I was asked by internists at the State University Hospital where I work to consult on adult patients with chronic diarrhea. They thought I was some kind of expert. God knows that I was, you know, just doing my best. It turned out to be the first AIDS cases. So the name GESCU, which is as strange as it may be, stands for Haitian Study Group on Kaposi Sarcoma, which is that kind of skin tumor you have, and opportunistic infections, because this is the way AIDS presented. The term AIDS didn't exist at that time. So we developed GESCU on May 2nd, 1982, with 3 purposes, research, training, and patient care. Now, 30-some years later, we are one of the largest centers in the Americas for AIDS and tuberculosis. The Global Health Program started first by identifying patients who had AIDS. There was no laboratory test at the time. But we found that sexually transmitted infections favored the transmission. So we developed algorithms that were adapted to the country to prevent STI. And those algorithms have been used nationwide. Then
we found that it was transmitted from mother to child. So we encourage HIV-infected mothers to use contraception. When we refer them to family health centers, they were discriminated upon. They didn't want to see them. So we had to provide that package. And then when antiretrovirals became available, we provided that as well. But in addition, those patients, they were very malnourished. So we had to provide some kind of support for them. And when antiretroviral became available, they would not take them on an empty stomach. For children, we had what we call a mother's club, where we provided not only nutritional support with plum peanuts, but we provided oral rehydration, we provided clean water, we provided immunizations. Then what's very, very important is that our AIDS patients now are getting old because AIDS is now a chronic disease. The prevalence is way down in Haiti. Prevalence of HIV is below 2%. And we have to provide support for them as well to develop a chronic disease unit. And then microcredits. That's the first non-medical package that we added with the support of Fondation Berrieux. I'll extend a little more on that later. 2010, Haiti was struck by two catastrophes. The earthquake that killed 300,000 persons, worst catastrophe natural disaster in over one century. The same year, the first cholera epidemic that has caused morbidity in over 800,000 persons and killed over 10,000. But what happened also, we had 1.5 million people were internally displaced. In our own soccer field, we had 7,000 people who just arrived there, and they needed everything. Alain Mérieux mentioned this morning, security, yes, because the national prison had 10,000 prisoners who escaped, and the best place for a prisoner to go is inside a camp to hide. So what we did is that we worked with the community leaders to establish security in the camp. We had to provide water. We ended up developing a chlorine factory to provide potable water. We had to provide food and then infectious disease control. So every day we had a team asking all patients whether you have fever, skin rash, diarrhea, or chronic cough. That's how we found a lot of tuberculosis in children. You know, children are sentinel cases. So the TB goes very fast from infection to disease. So we told the Ministry of Health that we are going to have an epidemic, and this is exactly what happened. We used to see over 1,000 cases of TB. Now we are seeing about 3,000 cases of tuberculosis. Then with cholera, we introduced for the first time oral cholera vaccine in Haiti against the advice of all the agencies. And after the success, WHO changed their guideline to include reactive vaccination into a strategy to control cholera. Now, our sites, we have a large slum right across where we are. That's the only place in Haiti that's free of cholera because we provide home chlorination and oral cholera vaccine. After the earthquake, my partner, Marie-Marcel, was here. You know, the success of any team is to work together. We set up the first school for kids of the camp who were running around. And Mr. Mérieux oriented the Monaco collectif to our place. And they decided to build the finest school called École Prince Albert de Monaco. That school housed 365 kids. We've had laureates every single year, and every one of those kids have passed the state exams. In addition, we provide 100,000 scholarships to children of AIDS patients. But then we needed to provide something for the people who are there, give them some tools to work. So we developed a vocational training, first aimed at construction workers because the country was destroyed. And as soon as they got their degree, everyone found some kind of work to do. And later on, this was transformed into artwork and as well as
a factory to produce the best furniture you can think of, aim essentially at women who are rape victims, because after all the problems Haiti has, we've had a lot of them, and that gave them a greater sense for themselves, a sense of dignity. Every year we have an exposition at one of the best hotels, and they can see how people appreciate their work. So I'm going to stop here so that my colleagues could intervene in the other aspects. Thank you very much. Alors à Haïti, évidemment, la Fondation Mérieux a pris conscience, bien évidemment, depuis longtemps, de cette nécessité d'une approche globale. On va entendre dans un instant M. Moana. Mais d'abord, je voudrais vous montrer un petit film, s'il est prêt, sur l'action des Fondations Mérieux, Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux au Proche-Orient, et notamment auprès des mères et des enfants. Depuis le début de la guerre en Syrie, plus d'un million de réfugiés syriens ont trouvé refuge au Liban. Répartis dans tout le pays, ils vivent dans près de 4000 camps de fortune ou dans des maisons abandonnées, comme ici dans la plaine de la Beka, à 30 km de la frontière syrienne, où la Fondation Mérieux intervient auprès des déplacés. Ils habitent plusieurs familles dans le même logement. Ce qui fait que les conditions en fait, de vie sont relativement difficiles. À savoir qu'ici, aujourd'hui, on est en plein mois de juin et il fait beau, mais dans la plaine de la Beka, il fait très froid l'hiver et nous avons la neige. Ce qui fait que les enfants sont exposés et les mamans. Et donc, les maladies infectieuses sont plus développées que dans un contexte normal. Face à l'importance des pneumonies sévères, parfois fatales chez les jeunes enfants, la Fondation Mérieux a lancé en 2016 la première étude sur l'origine des infections respiratoires pendant une crise humanitaire. Appelée Pearl, cette étude vise à recueillir et analyser sur 2 ans les prélèvements de 600 à 900 malades dans les centres de soins fréquentés principalement par les réfugiés syriens. Ne bouge pas. Ça y est, c'est fini, c'est fini. On fait des prélèvements chez le patient, on les envoie dans des laboratoires qui vont utiliser différentes techniques de microbiologie conventionnelle ou de microbiologie moléculaire pour identifier quel virus bactérie est présent. Est-ce que ce sont plutôt des virus, plutôt des bactéries? Est-ce que le protocole de vaccination correspond aux agents qui infectent la population? Est-ce que les protocoles de traitement antibiotiques correspondent au profil de sensibilité des bactéries qui infectent les patients? Comme la plupart des centres de santé ne disposent pas de laboratoire, la Fondation Mérieux a mis en place un système de transfert des échantillons vers les 3 laboratoires libanais, partenaires de l'étude, comme ici à Tripoli, dans le nord du Liban. Le laboratoire de microbiologie de Tripoli participe à cette étude en analysant les prélèvements grâce à certains équipements mis à disposition par la Fondation Mérieux et ses partenaires. L'apport de ces nouveaux outils permet de diagnostiquer précisément les pathologies respiratoires pour mieux soigner les patients. Cette machine, elle est très rapide. Avec à peu près 1 heure, on aura le résultat final. Et en plus, elle a une haute sensibilité et spécificité. Donc, dans 95% et plus de ça, on est sûr du germe. Et s'il est présent, on le détecte. Les cliniciens, ils sont bien contents actuellement parce qu'avant, tout le monde, on dit, bon, voilà, c'est une infection respiratoire, point. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais maintenant, pour eux, c'est magique. Donc, en 2 heures, on est capable de répondre, de donner une réponse précise sur l'étiologie de l'agent responsable de l'infection. L'étude Pearl s'appuie également sur le laboratoire Rodolphe Mérieux, une infrastructure de pointe offerte à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth est destinée à renforcer les capacités de recherche du pays. Équipé d'une unité P3 de haute sécurité, ce laboratoire unique au Liban permet aux chercheurs de travailler sur les virus et bactéries les plus pathogènes. Avoir un labo comme ça ouvre des possibilités, pas seulement pour l'Université Saint-Joseph, mais aussi pour d'autres partenaires dans les régions pour aller travailler sur des sujets pertinents comme la résistance aux antibiotiques, comme la tuberculose multirésistante. Un laboratoire comme celui de Rodolphe Mérieux, justement, disons, peut être le foyer de réflexion
et de travail, de diagnostic, de recherche sur ce genre de maladies qui nous arrivent et parfois, disons, auxquelles on n'a pas réellement de réponse. Cofinancée par la Fondation Bill et Melinda Gates, l'étude Pearl analyse également pour chaque patient les données socio-économiques et les facteurs de risque liés notamment à l'habitat. Nous espérons, avec ces données qu'on n'a pas en ce moment, pouvoir modifier les protocoles et la gestion des malades avec les pneumonies sévères, mais aussi prévoir avec le gouvernement de vacciner tous les Syriens à l'entrée du pays contre certaines maladies, contre certaines causes de pneumonie sévère. L'objectif de l'étude Pearl est de sauver des malades, en améliorant les protocoles de soins, mais aussi de développer au Liban un réseau de partenaires publics et privés impliqués dans la recherche et dans la lutte contre les maladies infectieuses. Voilà, et nous restons au Liban avec le professeur... vous êtes professeur, oui, Kamel Mohanna, qui a créé et qui dirige toujours l'association Amel. Vous voulez rester sur place, là, peut-être, ou non ? Vous voulez aller... Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal à tenir mon territoire. Hein. C'est effrayant. J'ai l'impression d'être détrôné tous les 5 minutes, en fait. C'est effrayant. C'est bien. Non, en tant que médecin, je sais, après avoir mangé, on a envie de dormir. Alors, je vous plains, Yanné, je vais essayer de télégraphique rapidement. D'abord, merci à M. Alain et à Mme Chantal Mérieux d'avoir pris l'initiative de construire un centre de mère et enfant à Dourès, dans la Beka, près de Baalbek, un village où il y a 10 000 habitants, moitié chrétien, moitié musulman, avec Amel, soutenu par la principauté de Monaco, supervisé l'exécution par mon ami Benoît et Josette, et M. Kouchner a eu l'occasion, chargé par la Fondation Mérieux d'évaluer l'action, visiter ce village. Et je crois prochainement, on va construire ce local qui sera, à mon avis, un projet pionnier au niveau des services et des soins, mais aussi de la prévention au Liban. Moi, à la suite de mon ami Jean, je vais vous parler un peu de Amel au niveau de la santé, mais aussi de son action au Liban et qui est devenue aussi internationale. Amel, qui est une ONG civile et non confessionnelle. Je souligne non confessionnelle parce qu'au Liban, le système politique est confessionnel. Et Amel, c'est une grande ONG qu'on a fondée en 1979 après la première invasion israélienne du sud Liban. Moi, je suis de Khiyam, à la frontière. Ma ville a été complètement détruite, déjà deux fois, et notre maison quatre fois familiale. On a maintenant, pendant la guerre civile et l'occupation israélienne, et là, je peux prétendre, Bernard et moi, peut-être, si je suis prétentieux, on a fondé l'humanitaire engagé et militant parce qu'on a travaillé ensemble en 1975, c'est ça, depuis 43 ans, à Tal el-Za'atar, le camp palestinien, qui était assiégé, et j'ai été blessé, moi, là-bas. Et malheureusement, après la chute de l'ex-Union soviétique et l'adoption de l'économie du marché, l'humanitaire est devenu technique, professionnel, charity business, et moi je parle de BONGO, Business Oriented Non-Governmental Organization. Il y a une armée de gens qui travaillent dans l'humanitaire, qui cherchent leur salaire, les loyers de l'appartement, le prix du voyage et leur discours dans les hôtels sur la démocratie, mais les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent et les fossés s'élargissent entre eux. Et moi, notre slogan à Amel, il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger et après philosopher. Alors, et à Amel, il y a maintenant 24 centres, il y a 6 cliniques mobiles, on a une unité éducative pour les déplacés syriens, et aussi, il y a 800 personnes qui travaillent à Amel. On travaille un peu à contre-courant. Vous savez, dans notre région, il y a un retour à l'appartenance identitaire et primaire. Amel, son slogan principal. Comment développer l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance politique, religieuse, géographique. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vrai défi. Et là, justement, cet exemple que nous faisons ensemble, c'est un partenariat d'égal à égal et non pas le néocolonialisme, toujours qu'il y a des gens qui viennent nous apprendre comment il faut travailler. Alors, à Amel,
On a commencé avec les services médicaux parce que c'était la guerre civile, c'était l'occupation. Et on a 280 médecins qui travaillent à Amel. Mais on a, à travers le service, on essaie de passer à la prévention. Les soins de santé primaire, ce qui a été proposé par l'OMS, et justement, et moi, comme responsable des ONG au Liban et dans le monde arabe, j'ai proposé il y a 25 ans au ministère de la Santé d'adopter une chaîne des centres médicaux. Vous savez, je vous donne une idée comment est la société civile au Liban. Comme ça, vous pouvez savoir. Il y a au Liban 860 centres médicaux et dispensaires. 760 appartiennent aux ONG et sont au secteur public. Ça vous donne une idée combien est la force de la société civile au Liban, ce qui a protégé le Liban pendant 40 ans de guerre civile et d'occupation. Alors, moi, j'ai proposé il y a 25 ans, et notre slogan principal, c'est le ministère de la Santé qui est responsable de la santé. C'est les qui supervise l'action. Nous, notre rôle de société civile, c'est de compléter le rôle du gouvernement et d'être un groupe de pression pour corriger les politiques existantes. Et on ne prend pas la place du ministère de la Santé. Et là, justement, j'ai proposé il y a 25 ans de créer une chaîne. Il y a maintenant 200 centres au Liban. Et Khalil, quand il a visité avec M. Kouchner le centre de Khiyam, il a pris une vidéo. C'est un centre, franchement, je peux prétendre que nous faisons dans les 24 centres, on a peut-être 14 centres de santé communautaires. On fait de la santé, non pas de la médecine, des soins. On fait de la prévention. Il a pris une vidéo, il dit, je vais essayer de faire un centre comme ça en Afrique, ou dans plusieurs pays. Justement, on fait un des centres, franchement, il y a un modèle. Le staff est très engagé, il est compétent, et toujours dans les régions rurales, les régions les plus pauvres. Tous les centres de Amel sont des régions rurales, les régions périphériques, les plus pauvres. Moi, j'ai vécu à Khiyam, je suis d'une famille paysanne, j'ai fait des études par hasard, parce que quand mon tour est arrivé, on est 11 nous, mes frères sont allés dans les grandes écoles, mais mon père n'avait plus d'argent, alors j'ai étudié dans les écoles publiques qui ont un niveau très bas, et j'ai étudié en France, à Grenoble et à Tours après, je suis pédiatre et professeur. Alors j'ai vécu moi-même la privation, alors je dis maintenant je me venge, je leur donne les équipements les plus sophistiqués, dans les endroits les plus éloignés, et les staffs les plus qualifiés. Ces gens méritent. Et là, leur centre leur appartient. Notre slogan, c'est solidarité et non charité. Malheureusement, il y a beaucoup d'ONG maintenant, ils viennent comme ça, d'en haut, aider les gens. Non, ces gens-là, s'ils souffrent, il y a des raisons à ça. Comment être avec eux, solidaire avec eux, et comment les aider à être indépendants et avoir des services. Alors, Amel, on a pris comme slogan la pensée positive et l'optimisme permanent. Pourquoi ? Nous, dans le monde arabe, on n'a pas de stratégie. Tout le temps, on se dispute au niveau des détails. Deuxième chose, on a l'esprit de division. On est très fort pour se disputer. Troisième chose, on a la critique destructive. Si on est en désaccord avec quelqu'un, on détruit son appartenance humaine. Quatrième chose, il y a ce que j'appelle le bossisme. Il y a un président dans l'ONG, la famille, le parti politique, le secteur privé, et parfois l'État est assimilé à une personne. Et dernière chose, et surtout pour l'élite, il y a la mentalité de tout ou rien. Ou on change le monde en une journée, sinon on commence à critiquer et on ne fait rien. Alors nous, on a pris trois slogans, la pensée positive et l'optimisme permanent. Comment dire nous, les Libanais disent « je suis le meilleur, ma famille est la meilleure, mon parti est la meilleure, ma confession est la meilleure, et l'autre ne vaut rien ». Il faut apprendre à dire « nous ». Deuxième slogan, les 3 P. Il faut qu'on ait un principe dans la vie, une position qui correspond au principe et une pratique sur le terrain. La classe politique au Liban, des bons discours à la télé, elle est un peu partout, surtout au Liban, rien sur le terrain. Et Nelson Mandela disait « si on a une vision, et si on peut transformer cette vision en action, on peut changer le monde ». Et le troisième slogan, on est en état de guerre avec Israël, mais dans la société, il y a les amis, le neutre, les adversaires. Comment renforcer le rapport entre amis? Comment transformer le neutre en ami? Et comment neutraliser les adversaires? Sur le terrain, avant tout des services. Il y a plein d'ONG maintenant, partout, qui nous parlent dans les hôtels de démocratie. Rien sur le terrain. Les Nations Unies qui ont choisi le slogan « développement durable » après la chute de l'Union soviétique, à l'époque, il y avait 400 millions de pauvres et 10 milliardaires. Maintenant, avec tous les discours de droit, justice sociale, gender et tout ça, il y a 2 milliards de pauvres et 550 milliardaires. Il faut, comme je l'ai dit, il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger, après philosopher. Alors nous, à travers les services, on passe au développement et après, à la droit à la parole, à l'expression, culture de droit, éducation, santé, la femme. On peut parler de démocratie si la femme ne participe pas. Une chose qui va vous surprendre, moi je suis optimiste pour l'avenir de notre région à cause de la nouvelle génération et surtout les filles. Cette génération est armée
des valeurs de justice sociale, de démocratie et de liberté. Ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, c'était une révolution. Ce que nous vivons maintenant, c'est une anti-révolution. Avec Daesh, vous en France, vous avez mis un siècle, 19 années pour que votre révolution aboutisse. Maintenant, nous vivons l'anti-révolution. Mais je crois qu'après Daesh, il y a une réforme dans les institutions islamiques, comme c'était le cas en Turquie en 1923 avec Atatürk. Mais le problème principal de notre région, c'est le problème palestinien. Il n'y aura pas de stabilité. Au Liban, surtout, qui est le laboratoire de la région et les miroirs de la région, librement, quand il était ministre des Affaires étrangères, il a menacé d'expulser 1,5 million de Palestiniens des 48, la moitié viendront au Liban. Alors le Liban, c'est le miroir, le laboratoire de la région. Et tous les problèmes de la région ont une part dans ce que nous vivons. Et là, je crois qu'Amel est devenu international. Il y a Amel France, Amel USA, Amel Suisse, et bientôt en Belgique, en l'Union européenne. Nous jouons un peu le rôle des catalyseurs. On était, comme je l'ai dit ce matin, candidat au prix Nobel de la paix. L'an dernier, à cause de notre action avec les Syriens, on a offert 1,8 million de services aux Syriens. On a offert jusqu'à maintenant 9 millions de services au peuple libanais depuis la fondation de Amel, trois fois le nombre d'habitants du Liban. Et cette année, on est candidat, mais on ne fait pas campagne comme l'an dernier. On a pris une initiative avec Samia International, mon ami Xavier Emmanueli, ce qu'on appelle le 3L. C'est quoi? Dans un monde, malheureusement, beaucoup d'amis honnêtes européens, ils disent qu'on a honte de voir la position de l'Europe, de responsables même. Mais moi, je trouve que c'est honteux de voir la position du gouvernement européen de fermer leurs frontières. Et le Liban, c'est un modèle, malgré tous nos problèmes, de solidarité, le Liban, avec 1,5 million depuis 7 ans. Et je dis ça à M. Hollande quand il venait au Liban, et à M. Macron quand il était candidat, il a visité le centre Amel. Je dis, M. Macron, j'écoute tous les matins mon RFI. Vous parlez depuis 2 ans de Calais. Vous avez 6 000 migrants. Vous êtes 65 millions en France. Nous, on est 3,5 millions. On a 1,5 million de réfugiés. Ça m'amuse. C'est sorti dans la presse ici en France. Et maintenant, notre idée, les 3L, le Liban, Lampedusa, Lesbos. Symbole, j'ai rencontré le pape il y a 1 mois et demi qui soutient cette action. Il y a une ONG proche du pape qui travaille avec nous. Et la maire de Barcelone. MDM en Grèce et en Belgique. Notre idée, c'est comment développer les valeurs de solidarité dans le monde. Et Lesbos, Lampedusa et le Liban, et la maire de Barcelone qui travaille avec nous, comment développer dans un monde, malheureusement, où il y a les discours, comme je l'ai dit ce matin, populistes, d'exclusion, d'islamophobie, de sécurité et d'identité. Alors là, justement, je crois que je vous appelle, je fais appel à vous tous. Comment peut-on développer les valeurs de solidarité? Ce que fait M. Murieux, ce que vous faites, vous tous, je crois, en Afrique ou ailleurs, c'est un symbole de solidarité. Il faudrait qu'on travaille ensemble pour développer ces valeurs. Je termine, moi, d'habitude, quand je fais un discours, je raconte une blague. Alors, il s'est avéré que Adam et Ève sont des Libanais. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient sans électricité, sans eau, ils volaient des pommes et ils croyaient qu'ils vivaient au paradis. Merci beaucoup. Vous avez échappé à la blague sur les MMS, mais si vous êtes gentil, peut-être qu'il nous la racontera tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vais demander à Runa Khan de venir me rejoindre. Vous êtes founder and executive director of an NGO called Friendship, and you started to provide global health services in Bangladesh and then throughout Asia. Thank you very much. First of all, congratulations, Mirio Foundation, for the 50th anniversary and for what you're doing all over the world. Every time I come, I get totally awed with the work that you do and the impact that you have. Thank you for that. Honored and very happy to be here amongst all of you today. Thank you. Mr. Ali Mirio said this morning something which resonated very deeply in my heart. You said that you can't treat people and then let them die of hunger. And I think this is the very essence and core of the way that Friendship started working and is working today. Global healthcare, medical care, is just one component of global healthcare. Because global healthcare is caring for the total well-being of a person, of a community. And you cannot do that by just giving
one element of it, which is medical care. So what Rosanna said this morning, Professor Rosanna said this morning, that it is the last mile or at the delivery point where actually health often, the delivery is not being done. And we miss out in creating long-term impact because of that. So this is what we try to do. Take it right to the people, work with the people, identify the needs with the people. But you know, even need identification is very relative. Because when I started the first mobile hospitals in Bangladesh. When we took the mobile hospital ship to the brink of the banks of the river, the very edge where the people and the rivers are meeting, I thought, okay, how can you get more into the depths of the community? We've done it. And then one morning, I see this child who had died of diarrhea across in an island across the river. So here we are providing a ship hospital, primary care. We are having surgeries done. International doctors are coming. And then suddenly we find this child. I go over and I see that the mother says that she didn't even know that the child had diarrhea. Perhaps with salt and sugar, the child could have been saved. You see, so needs are more than just bringing care to them. It's sitting with them and identifying needs. So what we started was the satellite clinics, where people were going into the communities. These clinics, few hundred clinics that we've got today, go to the people. And we are happy, satisfied. We are bringing it to the people. Needs are going right. We have understood the needs. We are carrying the care to the community. One day I'm in an island and I see that a child was crying and crying. What happened? The child had got burnt. And in that island, there was not even one paracetamol to ease the pain of that child. And the child cried and cried. This was the third day. The child couldn't cry anymore. And the parents didn't have money to take the child across the island to take him to a doctor or anything. I said, you know, we were doing satellite clinics. We're talking about needs. And we're talking about healthcare delivery. If we cannot even meet the healthcare needs, you know, of a pain of a child. So we started what we call the community Medicaids. And in the community, we have these community Medicaids, now 500-600 of them throughout our working area, providing services. And we linked, but you need quality of care. So we linked them all up with a mobile system, which seems to work well. And then we are very happy that it's all right. We are providing them healthcare. Surgeons are coming, reconstructive surgery is going on. We are working very deeply also with Mario Foundation for a pathological unit, so you can understand the quality of service delivery is of a level which is not even found in the villages, in the towns, perhaps only in the big hospitals in Dhaka. And the service delivery of those health units are found in the very remotest of the areas in Bangladesh. Storms come, cyclones come, climate impact happens. Then what happens to the community again? And this is not a community of 10,000, 20,000, 40,000 people. This is millions. We are working with about 10 to 12 million people, which is the base of our work in the coastal belt and along the river Brahmaputra. So between 10 to 12 million people in this area, and then climate change impact happens. We have to be there for the relief. We have to prepare them for relief. The relief also becomes part of the healthcare unit system, because without relief, they can't survive, they can't live. So the storms abate, they have relief, they start living again. They have no access to finance. And these were communities where microfinance organizations were not even coming near them, because there was no way they could repay. And we had to start off an innovative system for microfinancing. And today, that's what we do. We call it sustainable economic development. And we are hoping that the government would integrate this. It's in the path. Integrate this into the mainstream microfinance, where we do a kind of a risk-sharing, microinsurance, and savings model of financing them. Then there were days when one day I go and I find that a worker who used to work with our ship, she was there and she was not working with us because the ship had moved.
And she was on an island, and she was carrying earth. So I said that, do you have enough to eat? She said, yes, but I think the middleman does not give us enough money. I mean, it's not right. The amount that she gives us is not, the calculation is not correct. I said, all right, then let's sit down together. So there were about 20 or 30 of these women. I said, all right, come and we'll sit down and work it out how you can ensure that the middleman gives you the amount that you need, which is your rightful, which is your right. There was not one woman or one person in that whole island, it's called Shidai, who could read and write. How do you expect nutrition to happen? How do you expect people to eat properly? How do you expect people to survive or access their requirements when they cannot even calculate the amount of money which is owed to them? You know, and the middlemen can take away not be fair on the amounts that they are, which is given to them. So we started our education programs also. Adult education, children education, and today we take people from the teachers from the community, they get work, and we are having some of the best results, if not the best results of for primary education in the country today. We have about 78 schools, 74 adult learning centers, and the core of what we want to do with these children is ensure that they are imbibed with values, they know what to do with their lives so that they can carry the future in their hands and move forward. But we are an NGO. As an NGO, the responsibility is what happens when we are not there. And for that, we started working with what we call the Good Governance Project. There will be some parts where you see we have village theaters, we have like two with the things like child marriages, birth registration. For example, if the police comes, the villagers don't even know what the police can take from them and what, you know, what are the rights of the, you know, of them, of their own rights when the police come to them. So all these we are now working with the communities so that we build the communities' strength and empower them so that they know where they stand in their own ecosystem. So we have village theaters. Like a few months ago, over 2 months, 187 times our village theaters were shown on the national and local television. We have on the YouTube, they're all seeing our village theaters which carry messages. And it's powerful. It's a powerful tool because one young man saw this and refused a child marriage. He says, I'm not going to marry this girl because I'll be sent to jail. So we don't work only with a group of people. We try to be exemplary in the way we work because we want to bring to the people not only health, because health is, you know, when you're suffering, the most important thing is you have your paracetamol. If you have a headache, you want your paracetamol. That's the most important thing you want at that moment. But after that, when you are strengthened to survive, to live, you need your whole ecosystem needs to be looked at. When you're suffering, you need to have people coming to you and you have to fulfill their needs at the right time, in the right way, in the right amount. Otherwise, you create, again, you provoke wrong actions happening, which also you have to ensure that you don't do. So fulfilling all the basic needs for life and living, ensuring knowledge, access for fulfilling these needs, as I said, in the right way at the right time, and then impact happens. And impact is what we need for the global health issues. Our approach is beyond healthcare. It is an integrated solution of good quality because the poor really cannot afford poor solutions. And we try to give them things which are of good quality so that they believe and trust in what we are giving them. And this makes deep sustainability. Our work allows us to bring dignity and hope to people. And this, we think, is the most important component for carrying healthcare, for carrying well-being of communities and people. Thank you. Le docteur Serge Bresse de Action contre la faim va venir nous parler de la nutrition dans la santé globale et du rôle de la nutrition.
Merci, bonsoir. C'est un honneur de me présenter humblement devant vous. Et pour paraphraser Dr Béa Voghi, je dirais tellement de Neymar et de Ronaldo dans la salle que c'est impressionnant. Je voulais remercier la Fondation Mérieux de permettre à une ONG de lutte contre la faim de pouvoir parler nutrition dans l'approche santé globale. C'est une approche au sein de notre association qui a toujours été portée aussi par Benoît Méribel, que je veux remercier, qui nous a toujours permis à nous, médecins, d'avoir une place dans ces affaires de lutte contre la sous-nutrition, et c'est très important. Pourquoi je suis là ? Aujourd'hui, un enfant sur quatre dans le monde est atteint de malnutrition chronique, ce qui veut dire que ça a un impact sur sa santé, mais aussi sur le développement économique de son pays. 3 millions d'enfants meurent chaque année de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave de la faim dans le monde. Plus grave, il y a moins de 15% des enfants qui développent la maladie qui ont accès aux soins dans le monde aujourd'hui. Et en Afrique subsaharienne, plus de 50% des pathologies sont liées à des problèmes de sous-nutrition. Donc il nous semble important, quand on parle de santé globale, de pouvoir aussi adresser ces questions de sous-nutrition. Vous avez évoqué, M. Mérieux, il me semble, le bouclier biologique. Pour nous, il y a un besoin au niveau individuel d'avoir ce que j'appellerais le bouclier immunitaire. Il faut savoir que tout enfant atteint de malnutrition aiguë sévère a un déficit important de son immunité qui le rend beaucoup plus vulnérable à toutes les pathologies, particulièrement les pathologies infectieuses. Et c'est là qu'est le cœur du lien entre la lutte contre la sous-nutrition et les questions de santé globale. C'est un cercle vicieux. Toutes les études montrent qu'on augmente la morbidité, on augmente la gravité et donc la mortalité des pathologies quand on est atteint de problèmes de sous-nutrition. L'inverse est vrai aussi. On sait que les pathologies, les épidémies entraînent de la sous-nutrition et de la malnutrition. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la tuberculose. C'est un phénomène où c'est connu. Dans le VIH aussi, je citerai la rougeole. Et puis Ebola aussi, pour signaler que même au-delà des aspects individuels et physiques, c'est aussi les quarantaines, les difficultés d'approvisionnement en nourriture qui font que dans les épidémies, il y a aussi un impact en population sur les questions de nutrition. Quelques idées que je voulais partager avec vous, donc si on va sur cette idée d'avoir une approche santé globale quand on traite la sous-nutrition. On en a parlé ce matin. Il ne faut pas d'approche verticale. Donc, Action contre la faim, la manière dont on essaye de traiter ces questions de malnutrition, c'est par le renforcement des systèmes de santé et l'intégration de la prise en charge dans les systèmes de santé. C'est complexe, c'est des choses qu'on a évoquées, mais pour nous, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'approche diagonale, donc essayer de renforcer dans un système de santé les éléments qui permettent une bonne prise en charge de la sous-nutrition. Il n'y a pas de vaccin contre la sous-nutrition, il n'y a pas de traitement préventif. C'est typiquement une pathologie qu'on peut appeler multifactorielle. Vous le savez probablement, et vous l'avez cité les uns et les autres, il y a la question de l'accès à l'eau, la question de l'hygiène, la question des pratiques de soins aussi, la place de la femme, merci de l'avoir signalé aussi précédemment, le rôle des femmes dans le foyer, pas seulement en tant que mère, mais en tant qu'acteur aussi du développement des foyers. Alors le rôle d'une ONG comme nous, on est en lien avec les communautés, on travaille beaucoup au niveau communautaire, donc on a des approches de réponse qu'on appelle le Community Management of Acute Malnutrition, où on s'appuie sur les communautés directement pour le dépistage et pour la prise en charge des cas, pour éviter, comme on l'a évoqué dans d'autres pathologies ce matin, pour éviter les cas compliqués. Il y a par exemple des études qui ont été menées sur la capacité des mères à faire le propre dépistage des enfants avec le périmètre brachial qui permet de détecter la malnutrition dans ces phases initiales. On l'a vu aussi sur Ebola, où il y a eu des approches communautaires, où on a donné la responsabilité aux communautés du maintien de l'hygiène et de la détection des cas dans leur village. Et c'est là où on a eu le moins de cas, je pense que ça a été aussi évoqué ce matin. Ensuite, il y a un acte. Enfin, nous avons une vision sur le futur d'un acteur de recherche et d'un centre d'expertise. Benoît Méribel, quand il était président, a créé la Fondation pour la recherche et l'innovation, qui est abritée par l'Institut de France. Et je salue le chancelier qui est arrivé parmi nous. Et on travaille sur le diagnostic précoce. Et je vois là un lien très fort avec tout ce qui a été dit, avec la Fondation et avec tout ce qui peut être fait sur les questions de recherche dans le monde. On pense qu'aujourd'hui, on est de moins en moins un acteur opérationnel direct. On travaille au travers d'autres acteurs, d'acteurs locaux, nationaux, de gouvernements. Et notre rôle est de devenir aussi un centre d'expertise, d'innovation et d'influence. Donc on utilise ces capacités de recherche pour faire changer la façon dont le monde répond à la lutte contre la faim.
Enfin, vous l'avez cité, professeur Barré-Sinoussi, et Madame Bocos, ce matin, étant ONG, étant société civile, si on parle de santé globale, on doit parler d'accès à la santé pour les plus vulnérables. Et ça, c'est notre rôle, et vous l'avez évoqué aussi, Ona. Je pense qu'il faut rester sur les questions de droit à la santé, de droit à l'accès à la santé pour tous. Il y a ce qu'on appelle donc les objectifs de développement durable qui, cette fois-ci, sont universels. C'est-à-dire qu'ils veulent réduire à zéro la malnutrition et tout un tas de pathologies. Si on veut faire ça, évidemment, il va falloir prendre en charge les plus vulnérables. Et il va falloir avoir des approches qui vont sur le droit à la santé et sur les questions de lien avec la société civile. Malheureusement, toutes les études qu'on est en train de mener montrent qu'en 2030, on ne pourra pas éradiquer la faim dans le monde, tel que c'est mis dans les objectifs, mais on peut aller vers ça si on a ce type d'approche de santé globale. Et je pense qu'on peut être un acteur et que le futur, c'est de travailler avec les fondations comme la Fondation Mérieux, de travailler avec les acteurs privés pour mettre en place des actions et avec les gouvernements pour mettre en place des actions qui éradiquent la faim dans le monde. Je vous remercie. Voilà, tout à l'heure, on a vu un film sur les actions de la Fondation au Proche-Orient, avec ses partenaires locaux. Je propose qu'on regarde un autre film, toujours dans la même région, sur les actions auprès des mères et des enfants. Lorsqu'en 2014, Daesh s'infiltre au nord de l'Irak, des centaines de milliers de personnes fuient Mossoul et ses environs et trouvent refuge dans des camps communautaires. La Fondation Mérieux décide alors de venir en aide aux femmes et aux enfants, principales victimes de cet exode forcé. Les femmes avaient marché pendant plusieurs heures et avec le traumatisme, avec la chaleur, elles ne pouvaient plus allaiter les enfants. Donc c'était un vrai problème pour les enfants en bas âge. Il fallait tout de suite leur donner une réponse en apportant du lait nutritionnel enrichi et des biscuits protéinés. Si la vocation initiale de la Fondation est d'offrir des moyens de diagnostic aux populations vulnérables, face à cette crise humanitaire, elle a dû adapter son soutien. Pour parer au plus pressé, elle distribue régulièrement des médicaments, du lait nutritionnel ou encore des couches aux femmes et aux enfants. On voit que les mères et les enfants sont très demandeurs en fait, et ont un réel besoin de ce lait, de ces couches, de ces berceaux, qui est quand même la base même de leurs besoins essentiels. Pour ce camp qui abrite 300 enfants de moins d'un an, l'équipe de la Fondation Mérieux a fait fabriquer des berceaux pour protéger les nourrissons qui dorment à même le sol, dans ces tentes spartiates où la température atteint 45 degrés l'été. À Erbil, capitale du Kurdistan irakien où sont réfugiés des dizaines de milliers de chrétiens, la Fondation Mérieux a participé à la construction de logements provisoires et d'un centre médical. Initialement construit dans des containers pour faire face à l'afflux des déplacés, le centre Pauline Jaricot est devenu en 3 ans un véritable petit hôpital de jour. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. La prochaine étape sera la construction du rez-de-chaussée avec le nouveau service pour les femmes enceintes, la salle de réunion et les salles de consultation. Le centre Pauline Jaricot reçoit chaque mois 2500 patients en consultation, principalement des mères et des enfants. La Fondation Mérieux l'a récemment équipé d'une salle de radiologie, d'un cabinet dentaire et d'un nouveau laboratoire de biologie pour le diagnostic. Située à 1 heure d'Erbil, Karakoche, la plus grande ville chrétienne d'Irak, a été totalement détruite lors des combats opposant Daesh à l'armée irakienne. Pour favoriser le retour des anciens habitants de Karakoche, la Fondation Mérieux va leur permettre de reconstruire cette école primaire, occupée durant 2 ans par les djihadistes. On estime que l'éducation des enfants, ça rentre dans le cadre de la santé globale. Un enfant qui est bien éduqué, un enfant qui est bien instruit, il fait plus attention à sa santé. Et on pense que si demain on veut que les communautés revivent ensemble, il est important que les communautés soient éduquées. En attendant que leurs écoles soient reconstruites, les petits déplacés de guerre ont été scolarisés à Erbil dans des classes improvisées et dans cette école du quartier chrétien, construite par la Fondation Mérieux.
Je suis heureuse de voir ces enfants réussir et se reconstruire. Il représente l'avenir de notre pays. Autre pays touché par la guerre, le Liban accueille plus d'un million de réfugiés venus de la Syrie voisine. En soutenant les ONG libanaises, la Fondation Mérieux combat les maladies infectieuses qui affectent principalement les réfugiés. Depuis hier, elle est enrhumée et elle a de la fièvre. C'est un rhume, une diarrhée, une toux. Elle a le nez qui coule. Faute de moyens pour le diagnostic, les médecins ne parviennent pas toujours à soigner les pneumonies sévères qui tuent les jeunes enfants. Il n'y a que de vraies analyses qui permettent de savoir de quoi souffre le patient et pour lui prescrire les bons traitements. Tout ça, c'est pour le bien du patient. Pour améliorer l'accès au diagnostic, la Fondation Mérieux équipe les laboratoires d'outils de pointe et soutient la recherche sur l'origine des maladies respiratoires. Cette machine, elle est très rapide et en plus, elle a une haute sensibilité et spécificité. Donc, dans 95% et plus de ça, on est sûr du germe et s'il est présent, on le détecte. À proximité des camps syriens qui ne bénéficient d'aucune structure de soins, la Fondation Mérieux construira bientôt un centre médico-social pour l'ONG libanaise Amel. Nous, la Fondation Mérieux, nous sommes spécialisés pour apporter un soutien, renforcer les capacités, qu'elles soient dans le diagnostic, qu'elles soient dans les actions mère-enfant, dans cette approche santé globale. Et effectivement, notre travail, c'est de trouver les bons partenaires. Avec 24 centres médico-sociaux à travers le Liban, l'association Amel sensibilise les enfants réfugiés aux valeurs de citoyenneté, de partage et d'éducation à la santé. Ils ont un vrai rôle à jouer pour transmettre à leur tour les règles d'hygiène à leurs parents. Qu'elle renforce l'éducation ou la santé des femmes et des enfants, la Fondation Mérieux vise avant tout l'appropriation locale des projets qu'elle soutient, dans une vision à long terme. Voilà, et vous avez reconnu notamment Khalil Aitou qui est avec nous et qui travaille pour la Fondation Mérieux à la fois au Liban, en Irak. Et puis, ce film a été réalisé par Selma Schnabel, qui est avec nous également. Alors, je vais présenter un nouveau maître, a new master. You are considered as the father of global health, I've been told. Could you come here to discuss or... What would you like to say after what you just heard about global health? Bernard, I will... Je rappelle que vous êtes professeur de médecine tropicale et directeur du Centre for Global Health au Weill Cornell Medical College. I will let you remain on your throne and... You should be accorded that at least once today. I have to thank the Mérieux Foundation, and I also have to say that you, Alain, are an inspiration to me, and I'm sure to many people in this room, for your passion, for your commitment, for what you've done, but also for your vision, and that you're always looking forward and challenging us as to where we are and where we should be. I was invited as a master, a father, a grandfather, actually great-grandfather, to comment and reflect. What I've heard is stories from three countries that have been challenged by disasters, acute, chronic. Some of the disasters are natural, and unfortunately, many of the disasters are man-made. I've also heard from a country, France, that is intervening and responding to these countries and many other countries. Kamal, you shared 40 years of experience, now dealing with 1.5 million refugees,
and you taught me everything I'd learned about Adam and Eve was wrong. My parents didn't tell me the truth. Runa, you emphasize how total well-being is important and how you've harnessed the power of community health workers. You've brought education to the communities and vividly demonstrated that without education, you can't have progress, you can't have good health, you can't access good nutrition, because you're literally outside the system if you can't even do your basic numbers. This is in addition to the many services that you're providing to the communities. And Bill, you've taken us back to 1979 with infantile diarrhea, then AIDS, then the devastating earthquake, which brought one thing after another, followed by cholera, followed by hurricanes. And you've taught us how you take one hit and then you get another hit. And you've coined the phrase, we didn't ask for it, but we got it. Now you have to do something about it. Disasters, certainly in the case of Haiti, destroyed paradigms. We can be comfortable in providing basic services, accomplishing tremendous things, as was done in Haiti, and I'm using that as an example since I've been there since the beginning with Bill. Fantastic care of AIDS patients, tuberculosis, activities in nutrition, but suddenly the earthquake totally destroyed the paradigms that we had, made Geskia move completely outside his comfort zone and think about basic services, water, food, housing, security for 7,500 refugees. Once the acute situation was over, I was very impressed if you asked some of the Haitian families, what is your greatest concern? I thought I was going to hear food, water, other things. Their greatest concern was education. It looked like at that point the schools in Haiti and Port-au-Prince, which is 40% of the population of the country, would be closed for the next year or two. They were concerned that their lives, the progress of their children, would totally stagnate in the absence of education. Now, one institution doesn't solve a nation's problems, but through the intervention of the gentleman sitting at the front table on the right, and through Monaco, the Prince Albert School was built on the Geskio campus. Campus means many things to many people. This is not an Ivy League campus, but it is a plot of ground that is secure and above water most of the time. And the school is now providing services. And as Bill indicated, and I think he'll talk more, other services readily became apparent. You have education, you've got to have occupation, you've got to have work for people. It restores their dignity above and beyond providing them with opportunities to earn some money and have a vocation. So, and then microcredit was introduced. So, it became apparent that it's not just feeding and watering. We now recognize that in many parts of the world, the non-communicable diseases are killing more people than the traditional infectious diseases. Hypertension rates in our project in sub-Saharan Africa in men 18 to 34, 15 to 20% with hypertension. Same thing we're now finding in Haiti. So, beyond the traditional health, you have to address the non-infectious health and expand your horizons. I guess one of the things that I've learned is that you are never really prepared for these things that confront you, over which you have no control. But that should not intimidate, because I think it should challenge. In accepting the challenge, it's remarkable what can be done. And it's remarkable by what one person or one small organization can do. We've heard in the course of the day from a very impressive group of people who they started out as one, but they multiplied.
They multiplied and kept multiplying. So in Mali, I think we're on the fifth generation, if I remember the figures from this morning. But that started with one, and that's been done in many other places. I went to Liberia as a medical student in 1962. The Ganta Mission Hospital still used drip ether anesthesia. I remember the surgeon said, get your face away from the mask or you'll go to sleep before the patient. They had no x-ray, they had no blood bank, they had penicillin and dihydrostreptomycin, which most of you have never heard of, but it was a drug that was banned because it made everybody deaf and ataxic, unstable on their feet. We call that tropical medicine, if you will, at least in the Western world, that was tropical medicine. That evolved to international medicine, geographic medicine. We're now hearing global One Health medicine. Global health will continue to evolve. We will continue to appreciate that just treating an infection, while admirable, is not going to fulfill the life of that individual. And as I think about, I think I'm an optimist, I think we will bring better control of infectious diseases. I think if we are intelligent and build on our ID infrastructure, we can help with non-communicable diseases and cancer. A lot of these have more in common than they have differences. And if we really think down the line, if birth rates, for example, in Africa continue to increase, we continue to increase the lifespan of people, we're going to have to think about what comes down the line. What are we going to do with an older population? We'll still have disease. And how is that going to be managed in the picture of total life? It comes to mind in the United States, we probably spend 85% of an individual's healthcare dollars in the last 18 months of their life. So if we're looking, how do we get money to do immunizations, clean water, whatever, we have to look at the other end and say, what are we wasting there? What we've got to deal with that. Now, I don't intend to become a geriatrician, and I'm not advocating that the audience becomes geriatricians, but I think we need to begin to think of the total picture, because for every action, there's a reaction. My father used to say, what do you find when you climb a mountain? You find another mountain. Mm-hmm. And I think as we move along, we find that this is a continuum which we will need to address. Thank you. Thank you. Je crois que nous avons une liaison avec le Mali, dont vous parliez il y a un instant, avec le professeur Souleymane Diallo et l'équipe du Centre d'infectiologie Charles Mérieux du Mali. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour à tous. On est ravis que vous participiez aux 50 ans de la Fondation Mérieux. Merci. Je crois que vous avez développé un partenariat avec la Fondation depuis des années déjà. Ah, tout à fait. Donc racontez-nous un peu votre expérience. Alors, merci. Nous remercions d'abord le président de la Fondation Mérieux, M. Alain Mérieux, le directeur général et tous les autres collaborateurs. Nous vous remercions aussi, vous qui êtes les facilitateurs de cette table ronde, et nous remercions tous les organisateurs de la table ronde. Le Centre d'infectiologie Charles, c'est très gratuitement pour ceux qui sont déjà venus à Bamako. Et dans ce bâtiment, nous avons un laboratoire d'analyse médicale. Donc avec la Fondation Mérieux qui est engagée dans une dynamique d'accréditation à la norme 1589. Le but, c'est de faire en sorte que de ces laboratoires, les Maliens puissent bénéficier des examens les plus sophistiqués et que les Maliens n'aient plus besoin de se déplacer pour aller faire les examens de biologie dans les pays voisins ou même en France. Le centre
c'est aussi un autre laboratoire de pointe cette fois-ci en termes de biosécurité qui est un PTOMA mis à la disposition du Mali par la Fondation Christophe et Rodolphe. Le centre, c'est aussi un centre de recherche. Une jeune équipe de chercheurs travaille avec le professeur Mouriman Kouliba, que vous voyez à ma gauche, et le directeur du laboratoire est tout juste à côté de moi, entre Kouliba et moi-même. Et à ma droite, vous avez la représentante de la Fondation Bébé, Odile Missi Bouquet. Puis, au fond, ce centre que je viens de vous décrire est donc animé par au moins 29 professionnels, dont 6 biologistes médicaux et beaucoup de techniciens, des gestionnaires. Alors, quelle expérience vous dit par rapport à ce qu'on a acquis avec la Fondation Bébé, qui va dans le sens de cette santé globale dont nous parlons. Je vais très rapidement vous dire que grâce à la Fondation Mérieux, le Centre d'infectiologie Charles Mérieux est membre du réseau Gabriel que vous connaissez tous. Et de ce réseau Gabriel, nous avons mené des études multicentriques avec des pays d'Asie, avec des pays d'Amérique et d'Europe, voilà. Et au cours de ces études multicentriques, nous avons fait le focus sur une étude dénommée pneumo-balan. Pneumo pour dire pneumonie et Bama pour dire la Bamako. Il s'agissait de voir quelles sont les causes de pneumonie imputables, disons, les causes de pneumonie chez l'enfant de moins de 5 ans. Nous pensons que les résultats de cette étude nous ont permis vraiment de donner un plus aux prescripteurs, notamment ceux de l'hôpital d'Abriatoué, qui est l'hôpital pédiatrique, que beaucoup d'entre vous aussi connaissent très bien, notamment le docteur Bernard Bouchler, qui a l'habitude de nous donner à Abriatoué. Je lui dis merci de passage. C'est aussi, comme témoignage, un projet que nous avons mené au Mali et qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce projet-là, c'est mettre un laboratoire d'analyse médicale dans les brousses au Mali. Ce laboratoire a des capacités limitées, le nombre de tests effectués est limité et nous procédons nous-mêmes à la formation du technicien, aussi bien que du médecin pour lequel le technicien va travailler. Le couple médecin-technicien se trouve très éloigné de Bamako. Le laboratoire est axé sur la prise en charge du bilan prénatal afin d'éviter à la femme enceinte de parcourir des kilomètres pour venir vers les centres urbains. Les populations adhèrent à cette politique. C'est elles-mêmes qui construisent leur petit laboratoire et nous sommes intervenus, naturellement avec la Fondation Mérieux, avec la coopération internationale de Monaco, avec l'ONG Santé-Sud et l'Association des médecins de campagne pour faire le choix des centres qui vont héberger ce laboratoire. Ce laboratoire est sous le contrôle, sous notre contrôle. Nous passons en bourse à aller voir comment est-ce que ce laboratoire fonctionne. Ce laboratoire rend les résultats à la hiérarchie du ministère de la Santé et donc ne sont pas exposés. Le nombre d'analyses est limité de façon à ce que le travail soit fait de façon professionnelle et que le travail soit bien fait. Merci. Je vais. Et je vais donc ajouter une dernière expérience, c'est la formation des professionnels de la biologie dans le cadre d'un bachelor de biologie médicale que la Fondation de Dieu avec l'Université catholique de Lyon, l'Université des sciences et techniques de Bamako et nous-mêmes avons mis en place. Et cette formation nous a permis de former en 10 ans à peu près une dizaine de promotions allant de 8 à 24 candidats et ces candidats avaient été sélectionnés dans les différents pays francophones de l'Afrique. Ces candidats de retour dans leur laboratoire ont fait ont montré un savoir-faire, ont changé, je veux dire, la manière de travailler des professionnels de la biologie. Je pense que c'est une très bonne expérience dont on peut parler. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup, on a beaucoup apprécié.
Pardon, en quelques mots, si vous voulez bien, parce que la qualité de la communication fait qu'on ne peut pas rester trop longtemps, et puis on est pris par le temps, nous aussi. Pardon. Merci. Pour finir, le centre est un lieu de formation des professionnels, les pharmaciens, les jeunes médecins, et certains formés à l'exercice de leur thèse chez nous sont aujourd'hui candidats pour des masters. Il y en a qui sont candidats pour un PhD. Je pense que c'est beaucoup pour un centre comme le centre de professeur Charles Mourieux. Je remercie les uns et les autres. J'ai déjà rencontré le professeur William, à Annecy. Et bonne fête pour le cinquantenaire de la Fondation Mourieux. Je vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions dans la salle ? Encore le docteur Sebag. Ouais. Il a reçu un cachet ou non ? Non, un commentaire et une question. Le premier commentaire, je suis administrateur de la Fondation Mérieux et on est effectivement informé par différents rapports. On a des conseils d'administration d'un certain nombre de programmes. J'ai eu la chance d'en voir un, en tous les cas, au Moyen-Orient. Je n'avais pas une vue globale des choses. Je dois dire que cette journée me permet, effectivement, nous permet, j'espère que je ne suis peut-être pas le seul administrateur, d'avoir une vue et puis de rencontrer aussi les acteurs, de rencontrer les acteurs terrain. Ça, c'est le commentaire et je vous remercie vraiment parce que j'ai appris beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est pour vous, docteur Pape. Alors, moi, je suis très impressionné. Je connais bien Haïti et c'est vrai qu'il y a une sorte d'acharnement. On a l'impression à la fois de catastrophes naturelles, locales, historiques sur cette petite île. Il y a une question qui revient souvent, qui n'est pas simplement moi-même. Haïti se trouve sur l'île d'Hispaniola. Et sur Hispaniola, il y a deux pays. Il y a Haïti et la République dominicaine. Et il y a une telle différence, quand on connaît les deux pays, entre la République dominicaine et Haïti, j'ai envie de vous demander comment on peut expliquer, alors il y a certainement des raisons historiques, mais comment on peut expliquer cette différence sur un environnement qui est sensiblement le même ? Bon, je vais aller très vite avec vous. La toute première, c'est que Haïti a pris son indépendance par les armes. Quand l'indépendance a eu lieu, le pays était détruit. Ensuite, Haïti était isolé complètement du monde. La révolution industrielle a eu lieu, Haïti n'était pas informé. L'autre chose qui est très importante, il y a eu la dette de l'indépendance qu'Haïti a payée aux banques françaises jusqu'à 1950. Ça représentait 80% des revenus du pays. Mais entre-temps, en 1956, Haïti et la République dominicaine étaient à parité. On a un tiers du territoire, la République dominicaine a deux tiers et les meilleures terres. Mais le plus important, Haïti est isolé de la région complètement, parce qu'on l'était d'abord par la France, par le fait qu'on était devenu libre, et Haïti était le mauvais exemple qu'il fallait montrer au monde. Autre chose importante, quand Cuba, M. Castro est arrivé au pouvoir et que la Cuba a coûté énormément à la Russie, il fallait monter un pôle capitaliste en face de Cuba. C'est ainsi qu'il y a eu l'invasion de la République dominicaine avec 25 000 marines et qu'il y a eu également l'anéantissement des partis de gauche en République dominicaine. Donc pendant très longtemps, il y a eu une masse de support qui est venu des États-Unis à la République dominicaine, alors que nous autres, on avait Duvalier. Pendant cette époque, Duvalier, lui, son seul souci, c'était de lutter contre les communistes. Et le fait qu'il était, entre guillemets, contre les communistes, il avait le droit de tuer et de faire n'importe quoi. Donc on a mis un embargo, entre guillemets, sous Duvalier, on a dit, bon, on va le laisser au pouvoir, mais on ne va pas lui donner d'argent. Donc voilà, en quelques mots, la différence. L'autre chose aussi, on est très déboisé pour plusieurs raisons. Parce que le déboisement a commencé avec la colonie, dans cette partie de l'île, très très important. Mais il a continué également, en République dominicaine, quand un paysan coupait des arbres, il était tué. C'est-à-dire qu'il y avait des généraux qui veillaient quand il y avait un peu de fumée qui montait dans l'air. Ils avaient leurs hélicoptères qui arrivaient
vers l'endroit où on coupait les arbres et ces gens étaient systématiquement tués. Donc c'était une façon très très importante et décisive de régler le problème.